c'est des opérations pour bailler la population sécurité. Comme on connaît, nous partons en guerre contre Bandio. En guerre, il y a plusieurs batailles là-dedans. Première bataille, là, nous avançons. Ou capable pour intervention, plusieurs interventions faites sur le village de Dieu, plusieurs interventions pour faites sur l'autre côté. Nous travaillons sans relâche. Donc, objectif là, c'est 10 populations, commandement ça, gain détermination pour déloger, nettoyer, dégager tout côté que la population va rentrer. Il y a plusieurs étapes. C'est la première phase, là, Joël. Là. Nous pourrons parler de bilan. Parce que son bataille, son guerre qui est plusieurs étapes, son bataille de longue haleine, nous pourrons aller au fur et à mesure, nous passer la première étape là, nous pourrons passer notre deuxième étape, et au fur et à mesure, mais, bon petit temps, on dit, bataille n'a pas fait, je vais faire beaucoup de points. Je vais faire avec une police qui était démobilisée. Premier travail que je fais, c'est rapprocher de la police, visiter le commissariat, établir un dialogue avec policiers qu'on dit, monsieur, nous sommes policiers, nous t'es prêté serment pour nous protéger et servir la population, malgré les difficultés que nous avons, nous avons fait ça et commandons nous avec nous. Nous avons identifié les problèmes et au fur et à mesure, nous faisons des réunions de commandement chaque jour, à tous les niveaux. Nous rencontrons au commandement, nous rencontrons le commandement intermédiaire, nous rencontrons même les responsables des sous-commissariats de la police dans la zone métropolitaine. On a parlé de Delma 62, on a parlé de Canapé Vert, on a parlé de Thomasin. Pour mon rapprochement, pour les policiers, malgré la situation difficile, j'ai essayé de remonter mon moral et j'ai visité chaque soir. J'ai demandé l'État pour lui bailler la police en priorité. Que les policiers touchent à l'heure. Que les policiers ont des primes de risque, des avantages que vous remettez, que vous jeunes. Nous avons demandé grand chose. Et le gouvernement a commencé à faire ça. Et il n'a pas assuré nous de continuer à faire ça. Pour les policiers, pas un citoyen normal, je dirais, qui a des âmes, qui a aussi sont hiérarchisés. Donc un traitement spécial, approprié que l'État a supposé valer. Commandement pas maintenant. Moi, je dis, monsieur, le budget de la police, tout le moyen de la police, c'est pour les policiers. Pour et conscientiser le commandement. Donc, dans les 6 dernières semaines, je sais ça le fait. Et ça permet maintenant de motiver tout le policier, identifier les policiers qui ont des problèmes, dire que nous avons besoin des policiers tout cas, qui sont irrécupérables, à mon sens, qui. À travailler avec Bandi, nous disons, on rôle, job en policier, un policier qui est en berger bleu, qui est en uniforme, qui a bail contravention, ce n'est pas le même uniforme ça pour bouler machine. On va parler de groupe que nous connaissons, au Kawé depuis quelques temps, Bandi ou dans le courrier, quelque chose, un policier qui a fait des audios, il connaît sous commandement maintenant, si vous faites une fois, il ne va pas faire deux fois. Donc, toutes mesures à reprendre pour remettre ensemble toute unité de la police pour nous faire travail, premier travail, ça, qui c'est, bail sécurité, faire mon soutien, mettre mon confiance, surtout pour l'époque faite là, sortir la police avec nous, quel que soit cas qui gagne, n'a pas accompagné nous, si on a fait, nous promettre pour nous détecter et arrêter mon qui fait là. Ok, d'accord. Maintenant, je vais venir sur la question opération. Et déplacer l'antenne, déplacer l'antenne. Moi, j'ai le boulot de rôle. Et opération faite dans pile monde qui réagit, mon nous dit, il n'y a pas de comprendre l'opération puisque la police a passé ses âmes. Quelle explication mon ça a questionné l'opération? J'aime dire à Marco qui t'a posé une première question. Nous, pourquoi dans le bilan? Parce que l'opération est beaucoup finie. Nous pouvons atteindre l'objectif que nous visons. Nous avons une première étape, le temps arrivé, nous avons dit, gain résultat que nous jouons, nous avons moins de problèmes dans la rue.
question de arrestation mettez présenter moun zam c'est des bagages qui viennent avec le temps l'un senti dit indiqué pour faire. Moi, je te parlais de Village de Dieu, ou parlais de Côte des Bouquets, mais ou effleurer l'autre zone. Mais il y a des gens qui dit que il y a des bandits, c'est des bandits qui proches pouvoir, ils ne peuvent pas comprendre pour qui ça la police, pour qu'on capable d'accès aux opérations sur des gens a priori que Abdi, qui ont des connecteurs avec pouvoir en place. La police a mené un peu d'opération. Il y a des gens qui ont un peu d'éclat. Il y a des zones qui sont plus difficiles que l'autre. Mais en tant que commandant-chef de la police, je ne vais pas regarder ni à droite ni à gauche. On bandit, son bandit, on est qui choisit violer la loi, on est qui choisit tuer les gens, on est qui choisit bloquer l'accès, circulation à la population, quel que soit côté lié, son bandit m'a privé sur lui. Et je comprends que vous voulez regarder. Moi, je regarde à 360 degrés, je ne peux pas changer de... Donc, je vire là, à 30 degrés, je suis au village de Dieu, mais à 190, je suis privé de tous côtés, dans tout ce que la fête. D'accord. Maintenant, il y a des bandits qui sont réputés pour... qui lient avec la police. Donc, il y a des unités de la police nationale, là où elle mène l'opération. Et gagner de suspicion sur l'unité ça par rapport à type d'opération qu'a mené dans zone de palmenaire. Est-ce que vous faites analyse de situation ça, puisqu'en fait, dans le passé, les palmenaires opérations, il y a des bandits qu'on est au courant bien avant que l'opération va le faire, puisqu'ils sont liés avec des policiers. Gary, la police a monté une opération, ne va pas faire comme ça. Il y a des informations que nous avons collectées, nous traitons les informations, nous analysons, et nous disons sous moi ça, 30 jours, nous prêts pour aller dans nos zones, 2, 3, 4 zones. Je ne veux pas concentrer trop sur les bandits, parce que les bandits sont minorité que vous. Je veux concentrer plus sur le PNH, les policiers, les institutions avec tout problème, certes, mais rôle moins en tant que commandant-chef, c'est faire les policiers comprendre qu'ils ont une mission, fait tout ça capable pour motiver et ça force ça à un moment donné qui était très démobilisé que moi-même m'a fait effort pour mettre ensemble. C'est force ça, il dit qu'il y a un problème. Nous conscient qu'il y a un problème. En tant que commandant chef de la police, papa, tout policier, frères, amis, tout policier, nous adressons ces problèmes. Ça pour faire, pour l'inspection générale fait travailler, pour les police judiciaire fait travailler, et pour nous capables d'empêcher que quelques éléments en minorité, une très faible minorité, qui a terni sali l'image de la police, pour le mettre aux deux côtés, pour nous remettre à la justice et nous concentrer sur la majorité, la très grande majorité de la police, qui a fait un travail extraordinaire dans une situation difficile. Donc, c'est la majorité qui a fait ce travail là. Monsieur qui a un problème, il a toujours gagné dans toute famille qui a un problème. Je ne voulais pas concentrer sur le problème. Je voulais surtout parler avec les policiers, la majorité. Hein, et ouais, nous commençons à jouer le résultat avec le peu de moyens que nous avons pendant que nous avons adopté un leadership participatif. En tant que commandant-chef de la police, je vais pour une instruction et puis me dire dans un seul sens. Avant mon décision, je consulte tout le monde qui est dans le commandement, dans le niveau que vous avez. Quand son gestion politique a 25 ans, son police qui a une certaine expérience. La police nationale, puisque en Haïti, nous sommes un pays qui est très instable, surtout policiers qui ont fait médecin de l'audio, donc 25 ans ont fait ça, et de façon régulière. Les gens développent une certaine expertise, ils ont juste besoin d'accompagnement. Il y a un problème, certes, mais m'a utilisé expérience policière, m'a guidé dans le sens pour guider, que ce soit policier SWAT, que ce soit policier Udmo, que ce soit policier Simo, commandement rapproché de eux, bail aux formations, bail au minimum de moyens, ou après, très bientôt, commandant chef n'a pas besoin d'équipe qui opération qui vous faites. Donc, c'est dans ce sens que je suis moins concentré en tant que commandant chef sur
sous le corps, l'esprit de corps de la police, pour qu'ils connaissent que le pays a des problèmes, le monde n'a pas circulé, si le monde n'a pas à l'école, fête de fin d'année, le monde peut, la diaspora n'a pas à rentrer parce que lui dit des problèmes. Moi, je vois un signal là-bas de diaspora. Je soutiens les diaspora, même si je suis dans la diplomatie, je connais l'important image qu'on projette. Donc, c'est travail ça qu'on a fait et au confiance là, au fur et à mesure, comment c'est rétabli, Gary, ça me semble ça. Bah, je vais dire peut-être nous, pas, mais nous, c'est le nous remarquons ça, mais comme tu as dit, comme vous voulez, on a parlé de policiers, parce que les policiers font un travail extraordinaire, nous, qui problème yo gen. Et depuis moi quand on groupe policier parce que moi quand on appelle yo gen problème de prime de risque et problème de PDM que c'est évoqué là. Donc est-ce que problème ça ou résoudre yo et problème uniforme pour la police ça est-ce qu'on résoudre parce que gen des policiers ouais un yo pas gen uniforme, deux bottes là différents, trois rad sou yo chiré. Qui, est-ce que vous approchez la question ça? Parce que pendant que vous faites travail opération, vous n'avez pas risqué, mais au même tout, il faut un traitement qui est approprié que le recommandement et le gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Je vais commencer pour me dire le budget de la police a augmenté de 30% pour l'année 2019-2020. Et c'est la police qui recevoir puis vous passez dans le budget. Ce qui s'est dit que le gouvernement fait de sécurité en priorité. Comme président, toujours dit que la stabilité est un bien public. La police joue un gros rôle dans la stabilité, pas tout rôle. Donc, ça nous fait avec le budget, nous travaillons avec l'administration pour nous voir avec beaucoup d'anticipation comment nous faisons. Nous avons moyens pour nous commander suffisamment de matériel de protection individuelle pour les policiers. Nous avons moyen pour nous, en tant que commissariat, by service de restauration. Nous avons demandé tout pour le ministère des Finances et le PM a insisté sur ça. Les policiers, il faut que les jeunes attendent le salaire yo, et promesse que vous faites pour prime de risque et l'autre avantage sociaux que vous avez. Question assurance, toute l'autre question, accès pour gagner après, on a, on connaît ça, des problèmes. Et nous-mêmes, nous travaillons dans un cunier pour une mutuelle de la police, pour que les policiers aient une institution financière, ils contribuent là-dedans, c'est pas lié, pas dépendre du gouvernement, la police a une certaine autonomie, leur gagner un problème pour être capable de jouer comme prêter. Donc, nous faisons travailler ça. Et bien, assurez-nous que moyen, minimum de moyens qui sont à disposition de policiers, le budget permet de nous bailler pour y arriver sur les policiers vraiment. Parce que il y a un problème au niveau de l'administration, distribution parfaite, parfaite à temps, commande pas faite à temps. Toute commande qui est en souffrance, nous faisons revenir rapide. Et semaine dernière, nous avons un premier stock de commandes d'uniformes pour toutes les unités spécialisées, uniformes complets, pour toutes les policiers. Nous avons fait un jeu pour année que les policiers ajoutent des avantages. Nous allons ouvrir le centre hospitalier la police là, le 3 janvier. Nous avons essayé de rétablir, rendre fonctionnel l'atelier d'uniforme pour les policiers capables de faire propre uniforme. Ce sont des dispositions que nous avons prises, qui étaient là déjà. Nous avons renforcé pour les policiers qui ont accès à tous les avantages sociaux, tout le matériel qui a besoin pour faire travail. Et suivi qu'a fait avec l'inspection générale, garder les conditions de travail policier dans le commissariat, où est-ce capable policier ait un espace pour le reposer, un espace pour le recevoir, bon, et puis mettre accent sur le commandant, de paraître dans le commissariat, si l'espace n'est pas propre, écoutez, le commandant faut faire bon travail, il faut un espace où il aux toilettes ou au souvent, quel que soit que vous avez moyen ou pas, considérez le commissariat comme espace la caillou, parce que vous faites plus ça des fois dans le commissariat que la caillou, pour le commandant, le chef de poste qui a fait le premier travail de propreté et qui fait, c'est le plus à disposition. Donc,
changer conditions de travail à la police, moyen yo, commencer à le jeune yo, et moi-même, m'en fait de telle sorte que salaire, et les primes de risque, et l'autre avantage, TICAC, de DBA que la police a qui fait en pile par en pile, que la police a jeune l'autre jeune. D'accord. Et déjà, on me dit, l'homme policier qui a touché comme ça, monsieur Tafou, monsieur travaille comme ça à Port-au-Prince, monsieur obligé de passer pour aller à la Cali, monsieur Conry était dans la proximité du village de Dieu, monsieur Conry était cité soleil, parce que le pas de cop pour le payer, pour ne pas arrêter dans la proximité bandit. Le bandit a identifié, c'est soit le coopérer, ou du coup le bandit actuel. Donc pour qui ça ne peut que j'aime par rapport à problème pays, pensez pour nous faire un village pour les policiers qui sont en situation difficile pour te mettre dans structure côté, ils sont capables d'évoluer bien, il n'y a pas plus de sécurité, ils sont capables plus efficace dans les opérations. Et, très bonne question, Gary. Et problème ça, logement pour policiers, logement social pour policiers, il commence à résoudre et, par le gouvernement. Dernièrement avec EBPLS, l'autre entité, le gouvernement Guindé. Il y a des matériaux qui arrivent pour commencer à construire rapidement des logements pour la police. Il y a l'autre projet qui était réalisé déjà, mais une fois ça, projet ça, libéral et moyen là, pour que le logement ça ait été, nous établir les conditions, nous mettre à disposition de policiers, et surtout policiers qui ont plus besoin pour la question de logement. Mm-hmm. Bon, ok. Et mais il y a des gens qui ont priorisé, parce que dans l'autre pays, qu'on approche des polices communautaires, les policiers, souvent, ils travaillent dans la communauté côté la vivre là. Donc, ça peut permettre qu'on ait des trajets et les éviter. Bon, et nous, on pas gagner ça dans la police noire. Peut-être qu'on comprend ça fait ça. Mais bon, tout est dans la question opération avant. Et un peu de monde critique ça, et je pense que critiquer autour de arriver dans les oreilles, que la police menait des opérations, n'a point presque au bayo, yo pas attendre la police gain zam qu'elle saisit, yo pas attendre que la police gain des bandits comme si des renom que la police appréhendé. Et m'ta même expliquer PIA parce que Gary s'est posé question à la tout à l'heure, moi m'ta même plus éclaircissement sous lui. Et est-ce que c'est infiltration gain nan renseignement, dans information de la police palmer nos opérations, nos zones, que comme si groupe bandit qui est dans la zone là, qui est foyer dans la zone, qui est zam, qui est logé dans la zone là, donc il y a des informations, donc il y a retiré quoi, et bandit, il y a allé, il y a tout à la zam, qui fait la police déployer, donc la police vient au terrain vide, au terrain vierge, il y a une zam, il y a une bandit, et un peu le monde critique ça. Qui plus ou moins expliqué pays, parce que pays a tant de dollars, puis on peut comprendre ça, qui s'est passé dans le cas. Ça fait troisième fois que je pose une question en 30 minutes. Il faut comprendre que la réponse là n'est pas satisfaisante. Mais il y a une raison nous monter l'opération. Objectif premier, c'est empêcher que Bandi continue. Empêcher la population vaquer à l'occupation. L'autre raison que nous menons l'opération, c'est démantèlement. Démantèlement. Comme Gary se parlait de police communautaire, nous avons une police communautaire qui est très active dans la police. Nous avons accès à la zone nous dit qui a un problème. Nous avons un travail de proximité qui fait. Mais le fait ça fait un pile désarmement, un pile dialogue. Mais question remettre ZAM, il ne va jamais aboutir. Donc, nous passions, dans un premier temps, c'est casser là. Qu'une jeune ZAM, qu'une pas jeune ZAM, c'est faire sens, bandit à sentir, bah, il va changer, il va se supposer à l'aise côté de nous, c'est nos guerres que nous avons, première bataille là. C'est casser perception, faire population à l'aise. Et puis l'autre, bave les présidents de bilan, le porte-parole là font prendre presse. Tout le monde a besoin de ZAM, tout le monde a besoin de qui est tombé. Mais, n'a fait en temps opportun,
mais ça pas empêcher même si pas les hommes même si pas l'autre corps du délit de gadi la police a continué de travailler si pas si pas jeune âme ça va le dire pas de fond opération pas atteindre l'objectif là m'a agi sous plusieurs niveaux bien loi fond opération c'est espace sambri identifié bien loi fond opération dit population la police avec vous bien loi fond opération c'est mobiliser policiers donc bilan objectif premier il dit Léon Charles nouveau commandant chef de la police il pas chitas il pas dormir sous l'oreiller l'a travaillé depuis 6 semaines pour les rassembler les populations mais l'a travaillé depuis 6 semaines pour dire bandits première opération faite nous fait 6 opérations sur le village de Dieu. On a débarqué de 2. Depuis la semaine dernière, il y a l'autre côté de notre travail. Il y a un corps spécialisé dans la police. Il y a un peu d'intervention, nous pas parler de eux. Mais la satisfaction que nous avons, c'est que la population, la diaspora 40 dans le pays, même si il y a des âmes dans la rue, nous avons plus les âmes dans le pays, ça va pas dire seulement les âmes. Nous atteignons le premier objectif là. Bilan à présenter en temps opportun. Nous continuons à faire travail là pour que pas trop longtemps ou pas poser une question cinquième fois. donc, travail à faire. Travail à faire. Okay. Maintenant, nous devons venir sur un aspect qu'on fait qu'évoquer là. On est où c'est commandant chef de la police nationale, ou bataille contre Bandi, toute unité à là et puis. On regarde la télévision, on est à la carrière, on regarde 200 âmes automatiques saisies dans la douane. Et puis, demain, si Dieu veut, autant des bateaux. Bon, après ça, autant des sous-frontières, âmes illégales à venir. Comme son directeur général, tout, est-ce qu'on ne peut pas parler à la directeur général douane? Est-ce qu'on ne peut pas poser problème à la rencontre qu'a faite à CSPN? Qui vient nous comprendre que la douane a mis le pays en difficulté, puisqu'en fait, on n'a jamais mis la main au collet de personne. Moun. Bateau pour tes âmes venir, bateau a toujours là. Il n'y a bel ou bien manifeste, il manifeste à l'aller. Il n'y a pas jamais arrêté capitaine, non. Il n'y a pas jamais arrêté moun qui vient avec Zamio. Il y a une contente pour montrer aux âmes seulement comme si Zamio marchait pour contre. Qui gens, qui analyse nous fait, puisque nous renseignement dans la question, ça soit fait Zam illégal qui a porté dans le pays. Parce que ces âmes, ça, yo, qui a l'an quartier populaire, qui a alimenté Bandi, dans un premier temps, et âmes, la police, tout, ces vies que vous venez utiliser pour Bandi. Qui ça nous fait? Merci pour la question. La galerie, la question, ça, vous posez un problème de société. En tant que il mettait en question faiblesse institutionnel de chaque secteur de pays. Moi-même, en tant que directeur général de la police, c'est parti sécurité qui intéressait moi. Moi, je cherchais, nous gagnons, nous connaissons, nous avons un but de problème, nous connaissons ce qui a passé sous frontière, nous connaissons ce qui a passé dans le système judiciaire, là. Nous connaissons ce qui a passé en tant la police là même. Donc, circulation d'âmes dans le pays, qui rentrent dans le bateau, qui passent sous frontière, qui rentrait des fois par et nos frontières avec, maritimes avec la Jamaïque et la Colombie, nous poser les son problème qui pour résoudre aujourd'hui hein, par renforcement de contrôle douanier, par disposition que l'autre instance dans l'État prend et en commun accord avec l'autre pays. Pour yon cap identifier provenance Zamio, Zam n'a pas pour arriver, mais les relations que nous avons avec l'autre entité, tant qu'Interpol et ETF aux États-Unis, où qu'on est, ou capable de remonter à la filière, circulation d'âmes dans le pays, son bail qui tête chargée, la police là, nous-mêmes, nous pas contrôler la fabrication, nous pas contrôler l'interprétation, nous juste à Zam nous doit enregistrer, n'enregistrer. Mais nous connaissons menace liée, nous posons problème dans un CSPN pour chaque entité, faire travail par eux.
on question da enfin poser tête point pour faire suite à question amenan et puis avec Jean Mounou la police là nous avons tendance là mettez problème insécurité hein, sur la police là. La police sont éléments sur question ça pour la police à monter en opération à quelque chose le mener elle est bon des fois pour ta République compagnie. Il est bon pour DH font travail d'éclairage le samon circuler au plus en sécurité. Il est bon tout pour fatra lever. Parce que dernièrement une anecdote m'a dit monsieur c'est du passé. 509 va sortir. 509 réuni côté une colonne qu'on sortir. Et puis il dit OK 509 c'est pas un mouvement pacifique, c'est pas de, c'est pas il va mander autorisation. Il n'y a pas informé que vous allez faire. Le monsieur va le sortir, c'est la guerre, il va le craser, briser. Il me dit non, c'est ça. Il n'y a pas qu'à quitter le sortir. Et puis, il me met à disposition, et puis, il me ferme sans fil, ferme mon zone de Morico, ferme Caravel. Ce n'est pas stratégie, la police est en belle. Oui, oui, oui. Et puis, ils me font blindé rentrer dans le couloir. Et puis, pendant que blindé a sorti, on pile fatra bloqué. Ça veut dire. Si le nettoyage qui était fait, tout autant ville la plus claire, plus clean, la police a travaillé plus bien. Donc son jeu d'ensemble, son effort pour toute entité au fait, sur question d'avenant, ce n'est pas la police seulement. Donc la police, là, nous pas, l'un fait face à la situation, nous pas dit les yeux, nous dit que ce n'est pas job nous. Tout ça nous a fait faire, mais il faut que toute équipe, là, tout gouvernement, dans le domaine qui concerne eux, fait travail par eux. Et puis la police a un espace pour évoluer et puis n'a pas de bonne sécurité. Donc, qui l'a souhaité dans ça, nous ne connaissons pas parce que son problème qui date, enfin, qui l'a dans le pays depuis quelque temps. Donc, c'est au niveau l'État pour le résoudre, mais la police a fait petit par là. Et donc, un problème urgent de sécurité, n'a pas posé. Avec les mêmes moyens que nous avons, nous connaissons pile les armes qui ont circulé. En pile fouille qu'on fait, des fois ça dérangeait mon yo que la police a des blocus qui fait, mais nous avons obligation des fois pour déranger, pour cap déranger pour bonne sécurité. C'est ça qu'on a fait, nous concernons le problème, non, la police a fait partie par là. Question 509 là, et vous êtes abordé là, et là où fait directeur général la police, en pile nous pose des questions ça, dont moi-même. Et est-ce qu'on peut avoir le même résultat ou par rapport à 2005? Et je me souviens de dire là, 2005, pas 2020, c'est des périodes nettement différentes par rapport à la configuration de la police. Là. Et qui s'en fait? Parce qu'il faut dire qu'il y a un pays à Gaponais. Qui s'en fait l'OVNI, l'OVN 509, l'OVN au moins deux syndicats dans la police là? Et qui, est-ce qu'on cherche à jouer un modus vivendi? Avec ou pour la police la fonctionner, pour qu'elle travaille, ou un compromis, ou bien qui s'en fait. Parce que, moun yo juste gade yo e syndicat yo anti-jan posé, et yo e 509 la anti-jan en retrait, ok, et puis yo e la police a plus ou moins gon leadership kap dégage la donne. Faut expliquer pays après yo kakone qui s'en fait. Très bien, question ça moins difficile que question. Et ça passe, c'est que. Nous sommes policiers, militaires, policiers, diplomates, en tant que diplomate, je représente des pays, m'a très concerné par ce qui passe dans le pays. Mouvement syndical dans la police. Je n'ai pas de problème avec le syndicat. Le premier que je fais, je contacte la coordination de syndicats qui sont reconnus dans le pays. Je me dis, écoute, monsieur, vous avez dit que ce qu'on a fait me concerne tout. Si on a demandé 25 000 gouttes, on est content de 25 000 gouttes. Mais ce n'est pas 25 000 gouttes qui va résoudre le problème. Là. Et il faut le bien faire. Je suis à tous les deux syndicats, mal rencontré avec eux. Nous cherchons l'inspection générale à faire plusieurs rencontres avec eux pour nous voir comment nous harmoniser les relations. Il y a des demandes. Il y a différents droits. Tout policier. Baka, demande légitime. Et même si je ne peux pas tolérer dans la police, que
même mouvement syndical ça il vient pas problème pour lui empêcher ou vient augmenter question de sécurité là. Mais moi dis qui relation avec 509 m'attend yo bailler réponse me dit non 509 capable bramer syndical mais la police ne pas capable bramer donc moi dis yo m'a pas dressé m'a aidé nous fonctionner au contraire syndicat, un mouvement de syndicat, c'est pour lui permettre cette institution fonctionner mieux. Fonctionner mieux. Nous avons un problème, bah on le libère exécuté, mais syndicat, bon aussi frappe ça, tout le monde. Donc, il y a une utilité. Question 509 là, il me dit tout policier ça, syndicat, il y a des revendications que lui a, qui légitime. 509 là. Pas qu'à un élément qui a fait violence qui pour représenter l'uniforme. Je me disais tout à l'heure. Ou on fait patrouille, ou on fait checkpoint, ou on demande des mounions, papiers. Donc tout le monde qui est légal ou qui est permis, on passe. Donc on défend la loi. Donc on pas qu'à même ou même, on violer la loi avec même uniforme. Je me dis, je ne comprends pas ce parti parce que vous utilisez 509 là pour forcer le gouvernement. Vous demandez, vous avez un, vous faites forcing, vous avez deux. Vous avez deux, vous faites forcing, vous avez trois. Ça veut dire, vous arrivez au moment côté, vous êtes toujours sous pression. Là, ça ce n'est pas syndicalisme en fait. Vous écrasez la police. Si vous faites syndicat pour améliorer, aider à améliorer les conditions de travail policiers, ou pas capable de faire violence pour craser l'image de la police. Parce que la police est une association qui est noble, qui a des valeurs que la population panne, que nous partageons. Donc, moi, je dis, monsieur, c'est que si nous choisissons violence, je vais mettre dans le même côté de la bandière. Si nous sortons, je dis non, pas sortir, ou sortir ou faire violence, je vais frapper même j'ai parce que je ne pas qu'à quitter ou faire des ordres, ou pas qu'à utiliser l'uniforme de la police pour faire des ordres. C'est que ça ne comprend le message là. Mais il faut me dire tout, 2005, pas 2020, je dis là. Le. Bon, je vais passer rapidement parce que je ne vais pas traiter sur la question. Oui. Le. En 2004-2005, il y a des gens qui ont fait des ordres dehors. Mais quand il y a plus de policiers, anciens policiers, policiers révoqués, des agents de sécurité, qui fait mouvement. Il vient comporter politique. Je ne vais pas faire politique là, mais je vais faire analyse tout. Pour me dire, ou pas qu'à utiliser la police là, ou faire payer l'oc. Pas qu'à utiliser la police là, je ne vais pas quitter utiliser, ou prendre des secteurs, pour utiliser pour empêcher le fait de travailler. Message est clair. Si son policier, si je suis intelligent, si je suis information, je suis avec le commandement, je dis écoutez, premier contrôle la fête dans le commissariat. Si vous êtes responsable de commissariat, vous avez 10 nègres sous contrôle, avec vous contrôlez, il faut qu'on ait les salaires pour venir travailler, qu'est-ce qu'il fait. S'il va venir travailler 2-3 jours, vous avez un rapport pour faire. Vous ne pas faire rapport, le policier lui-même, il vient, il fait salver, il va avoir un contrôle, il n'a misé tout. Pour me dire, il va traiter sa question, quel policier, policier qui a un problème par bah, oui. Et puis, s'il va avoir un monde qui parle avec elle, s'il a fait salver, il a dit, oh, l'ex a bandit, il fait ça, lui, et puis, je vais arrêter, il y a la gueule. Et bien, mes amis, je ne vais pas manger, je ne vais pas payer quand même. Je vais accepter ces réflexions qu'il a faites. Donc, c'est ça qui vient de 509 là. Ça qui vient de 509 là, tout arrive au moment, manque d'attention. Révolte d'indignation. Donc, ça veut dire, c'est commandement immédiat pour qu'il y ait un contrôle troublé. Policiers ont l'autre tendance, ou faire rapport pour lui. Il est facilement identifié. On est qui 509, surtout policiers. Et puis, il y a eu, bah, le gars 509 est sorti de mes caroules. Il dit le fantôme. Moi, je vais déshabiller le fantôme. Ou pas qu'à dire, ou policier, donc ça, ils sont lâchés. Syndicat, ou pas qu'à policier, ou pas mettre caroules dans la tête, ou pas bouler les machines. Ou pas policier, là, ça. Et je vais un message clair. Je dis, mais job, je ne vais pas tolérer personne. Moi-même, choisi, faire toute vie, je travaille Dieu, je travaille Dieu. Mais choisir de la police, l'autre vient mettre. Donc, moi, je descends avec un discours que je je ne vais pas négocier avec les qui ont fait qui dit dans 509. Après l'interview, ça, nous jouons l'autre approche. Mais je me dis, même jour,
nous faisons intervention. Quoi de bouquet? Le type là, qui s'appelle, je ne sais pas, Fantôme, et 500 voileux. Monsieur, où est-ce là? Autant de voiles, monsieur, paniqué. Dans mon sang-jour? Dans mon sang-jour. Monsieur, mais, m'a rectifié. Yo dit, n'est-ce que tout n'est non. Monsieur, pas tourné. Vidéo, que vous avez là, son ancienne vidéo, que mettez voix sous lui. Monsieur, pas qu'à tourner, je ne fais travail là. Vérifiez ça. Regardez vidéo après son vidéo qui était faite déjà, vous mettez voix sous lui. Je ne fais là, monsieur, pas qu'à tourner. Mais qui ça qui a empêché ou pas tourner? Puisque vous parlez, nous pas là, et vous toujours armé, et vous armé jusqu'aux dents. La police, toujours là. La police travaille la population. Vous avez dit, vous mettez la population, vous sympathisez avec vous. Mais nous, présents, nous très patients. Vous connaissez les gars, tourner, beaucoup parler du village de Dieu, il faut me dire avec vous. Je vais parler de mouvement hier là. Il n'y a pas qu'à tourner. Pour ça. Et notre travail, parce qu'il est côté d'eau. Le police a fait intervention. Il délogé, il a arrêté, il passait ses armes, et aller. Mais l'objectif, c'est que nous, comme espace, nous créons un momentum pour que Bandi a dit la police en école. Donc, il y a plus d'informations pour nous tourner. Policiers, enfin, Bandi, même si l'endroit n'est pas à l'aise, même gens, même s'il est déplacé, l'autre passé, mobilisation sur tout le département. Il a déplacé. Simple. Un Bandi qui a un fief, qui a un côté à l'aise, il fait ça lui difficile pour elle. Mais on m'a dit qu'il a déplacé le facilement que. Ok? Si tout département va faire le même travail, c'est instruction, ça me passe. Moi, je vais faire un changement dans deux ou trois départements. Moi-même, je vais pas dire que le département de l'Ouest, je suis commandant en chef de tout le territoire. Là. Mais si je fonctionne, jamais fonctionné, il faut que tout département, je joue l'instruction, il y a le même comportement. Opération, tout le temps, avec intelligence, pour empêcher que. On ne va pas dire ça, on ne va pas dire pour tout fait parce que. On est passé l'autre dans la Tibonite, le directeur départemental l'a dit, comme il n'y a pas payé les pas de la fête. On va dire ça. Ah, monsieur dit ça? Oui. Et il fait que changer. Nous changer directeur départemental. Vous êtes déjà cadet? Bon, vous avez l'UPSI et l'État. Jacques Adair, nous avons renforcé lui pour nous. Directeur, il fait effort. Mais, dans le moment où on a besoin de café. Qui sont mode Léon. Mais il faut résoudre le problème, Belgium, quand même, parce qu'il pose le problème. Là. Avec prime de risque. Même si ça n'a pas dû faire, monsieur, pas faire opération. Nous, tout identifions. Vous faites bon mon dossier là, malheur, ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Gagner chaque opération comptée, d'abord, directeur, commandement, poste là, il prend disposition lui-même avec moyen pour le faire. Le besoin de faire, le besoin plus moyen, renfort, il fait de monde. On coupe téléphone, on coupe fil, on message, nous mobilisons dans la campagne. Moyen de pour collecter information, renforcement logistique, et ça a besoin parce que si nous parlons de la Tibonite, la Tibonite là, qui est là déjà. Ça vient. Ça vient, qu'on y a eu Liankou. Bon, opération qui fait Liankou, et qui a fait aujourd'hui un beaucoup de résultats. L'autre côté dans la Tibonite là, on a chida sur eux. Pour nous, qu'il y ait une pression hein, jusqu'à ce que nous libérions ça. Moi pas mais mettez sous le boisseau, ça dit cacher une information ou bien une parole qu'a parlé dans un posez lui comme question. Parce que c'était évoqué tout à l'heure, on dit que la mensonge son vidéo mettez, son audio mettez son vidéo déjà. Mais m'apprendre que pendant l'opération, il y a des monde que n'ego yo bay moto yo bay téléphone intelligent yo bay cob de façon à ce que yo suive opération pour yo yo suive pour la police tout et des déclarations que a fait sur téléphone yo fait c'est des monde que yo payé vinn enregistrer yo net ça au passé sous des monde qui travaille sur réseau. En fait, est-ce que ces gens sont dangereux pour la police? Il y a une même qui te pose une question dans conférence de presse pour l'histoire et la vérité, monsieur le commandant chef. Pour l'histoire et la vérité, m'a répondre pour me dire, pour me parler de problème de société, ça, côté nous dit, nous commençons et développer une certaine culture de la violence. Qui paye une blé?
on bandi on est qui connaît lui comme bandi cap tuer moun cap kidnapper moun qu'empêcher population et va qui fait travailler ou juste vivre dans une zone côtière. C'est vrai, la liberté et le respect doit tout le monde. Mais pour question de sécurité, il y a des réserves qui sont supposées gagner dans publier, dans faire promotion de travail bandit en fait. On prend l'homme qui fait village de Dieu, nous fait opération, pas fait trop publicité, puisque il y a tiré tout le monde connaît. Et puis tout de suite après, mon vidéo, que même bandit a fait, et bien il a fait promotion. Qui sont fait le ça? Ou a fait promotion pour bandit? Ou t'as supposé faire promotion pour la police qui a protégé la majorité? Question, mon cap suivre la police, mettez information que vous jouez, que la police n'a pas mis dehors, parce qu'il y a des informations qui choquent, ou pas avec petit ou elle, ou pas avec ces sociétés ça. On nous dit que bah des âmes qui saisit on va demander tout combien de monde qui stoppé bah me parler de ça parce que 107.7 FM stéréo parce que il y a des impressions il y a des travail il y a des nous pas voulu exposer la police là il vient pour protéger monde la police n'est pas une institution de fond de cœur et il y a des travail qui fait. Mais tout, nous pas exposé. Mais il y a des gens qui ont un téléphone, qui ont accès à Internet. Des fois, il y a véhiculé des informations, même s'il est vrai, mais qui a fait dommage à la population. Donc, moi, je fais appel à tout le monde qui a fait ça. Parce que même si on a des droits, on a des devoirs, tout. On a des devoirs. Pour informer la société. Hein. Mais il y a des réserves pour gagner le ou instiguer ou promulguer des informations qui ont fait la société à mal. Parce que il y a des images, des gens qui ne parce que les rentrer dans le subconscient, c'est ça qui va le développer après. Nous-mêmes dans la police, c'est ça qui fait. Il y a des pas dit. Mais pour question de sécurité publique, sécurité nationale surtout, nous ne pas dire. Je suis très gêné quand des âmes saisies. Et pourquoi? Mais, moi gêné tout pour me dire qui l'autre bagaille qui fait. Parce que. Mais peu au peu, monsieur, peu au peu. Vous-même qui peut? Oui, peu au peu, parce que je me dis, mais tout le monde connaît une opération que mon qui tombe. Vous pouvez assumer, vous pouvez espérance. Ou moi, je ne peux pas espérer, oui. Avez-vous pas en parler? Et d'abord, poser des questions, là. Je ne peux pas, parce que vous connaissez, excusez, vous faites venir, et politique attaque rapide, vous pouvez plaindre pour. Comme si vous avez fait bac, bon, pire, Kounia, sous réseau, vous dit, est-ce que vous n'avez pas crié parce que vous frappez le monstre jour? Mais Kounia, pendant l'échange de tir qui était gagné, vous avez grandi, parce que moi, je suis grandi. Vous avez grandi. Mais personne ne va dire ça parce que la police là, une équipe nègre, c'est police pour mourir, mais pas bandit armé pour mourir. Vous comprenez pas? Oui, et je ne vais pas demander déjà à ça. Alors, moi, je vais poser la question, je vais demander monsieur, est-ce qu'il n'a pas peur? Puisque je vais parler avec l'ancien directeur général de la police, je me souvent remarqué que la peur bleue des organismes de droits humains. Donc, on est directeur de la police. C'est-à-dire que les directeur de la police, là, ils ont peur bleu de l'organisation, dans le sens que ils ont fait des rapports contre lui et ils sont capables de faire promotion de rapports dans l'international. Et ça, qu'on a empêché qu'ils mènent des opérations. Mm-hmm. Alors que au même vini, non seulement Jean-Garry se dit là, il n'y a pas de plainte pour, mais on fait opération quand même. Donc, d'abord, le mando, qui ça qui expliquait que bon regarde nous peur même d'abandon est-ce qu'on pas peur? pas peur de fait, chance que m'y ait de fait direction générale de la police a déjà notre temps difficile et moi faire encore notre temps qui notre contexte qui plus complexe. Pas peur. Léon Charles, 33 ans de service au niveau police nationale, là, l'armée, diplomatie. 54 ans, je réalise des bagailles. Je n'ai pas peur.
même tout pour job mon sacrifice me fait mais on a dit me dit bon tout mourir déjà moi qui ça me peur me vienne pour travail pour me dire pour m'aider gouvernement pas peur pour me dire le gouvernement parce que un gouvernement qui élu il y a des politiques publiques que le veut appliquer la police là le directeur général a été nommé par le président de la République pour le ratifier par le parlement malheureusement ouais, et, bon l'avenir mais pas peur oh l'avenir bon, on va continuer question à venir oui. Mais pour me répondre question peur parce que malaise dans ça oui. Moins sorti et l'OEA, nous travaillons plus avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme, nous comprenons ça veut dire le respect des droits humains. Mais ça, le respect de tous les humains. Bandiens, paisibles citoyens, qui peuvent faire travail, ils sont sortis matin à 4 h du matin, ils ont droit. Ils ont droit pour le travail, pour le capacité de manger. Bandiens choisissent, vous violez droit ça. Donc, c'est Bandia qu'on a trouvé, c'est Bandia Cooper. L'opération a fait, Bandia a stoppé, Bandia a payé conséquences. Bien sûr, on a respecté la loi, on a fait le bon et du fort. Même pas qu'à peur si la police a fait intervention et puis vient gagner, on va vu qui fait. On a pris disposition pour sanctionner, on a mesure pour sanctionner. Même pas jamais lagué un policier qui fait une opération sur question de droits humains, et même dit, non, on ne va pas faire. Parce que l'homme fait ça, je vois image par toute la police. Là. Mm-hmm. Après une opération, bras croisés. Je vois une opération, combat qui fait, l'incident passé, m'assumer. Je ne pas plaquer la police. Parce que je connais mon image, mon signal par toute l'autre police qui va l'adopter au comportement de non-intervention et puis le compliqué de travail. Non, directeur. Un petit moment. Mon cher, qui t'aime dire, parce que nous avons une émission à cœur ouvert. Ouais, approche-moi là. Quand on dit protéger les policiers. Eh bien, c'est non-protection de policiers qui bavent avec vous. Et non-protection de policiers qui bavent avec vous, parce que avec vous, ils font opération dans Gravine, des policiers qui mourent, et puis. Inspection générale voulait arrêter monsieur pour mettre monsieur en prison. Comme on pas là, moi-même, on connaît un peu l'information de police, il a dit l'autre bagarre, mais c'est ça, oui, qui baille barbecue. Et lui-même qui baille barbecue, à preuve, n'est quitté avec un frère mouru, l'autre frère, t'es obligé d'échapper là au Canada, il y a un qui t'a tué au monde, t'es un barbecue qui t'a fait. Frère Boyard. Ou son jet, tu avais dit, il a tiré Negio. La police va faire un coup. N'est-ce qu'il a fait opération, c'est eux qui ont besoin de mettre en prison. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu barbecue. En termes historiques, je ne protège pas barbecue parce que va mon d'accord, d'accord, avoir parti. Barbecue. Oui. Comme ça. Oui. Jimmy Cerizier. Oui, Jimmy Cerizier, ex-policier de Ludo. Là, ils font intervention, policier très agressif. Très agressif. Coïncident privé. Inspection générale fait travailler. Même si il y a une bavure, que procédure respecter. Mais c'est pour raison pour Jimmy Cerizier, barbecue, il a fait ça, il a fait qu'on y a. C'est pour raison pour transformer en bandit. C'est pour rester dans le système, non? C'est pour respecter la loi. Qu'on y a sauvé une méthode du côté des bandits, ou même je ne mette pas bandit. Que Jimmy Cerizier connaît, quelle que soit la connexion, il n'y pas qu'à quitter le continuer, à faire exactement ce qu'il a fait. Donc, je me fais 362 cas. Je me fais Village de Dieu. Oui. Moi, je fais Delma. Moi, je fais. Ça vient ou fait. Je me fais 5 labos complets. Ok. 5 labos complets. Donc, bon, pour me répondre à la question, là, il est normal, si gagné, bah, vu qu'il fait que la procédure est appliquée. Sans injustice. Mais, moi-même, en tant que commandant-chef, même si procédure est appliquée, même si policier yo arrêté, yo mettez en prison, supposé toujours accompagner. Parce que c'est leur victime, non, li, son mouvement, son opération, li en service, les victimes, parce que la loi, pas, enfin, kagé ou exécuté fait, mais le fait que yo mettez
yo mettez en prison, c'est pas ça pas justifier le fait qu'il vienne radicaliser tête. Très bien. Le ça nous pas m'a supporté même si un policier coupable d'une en prison, yo juger le en prison en tant que policier, solidarité en cas de faire d'âme, faut un ballon accompagnement. Très bien. L'homme fait ça exactement, parole seulement moi tout plat. Tout plat. Donc c'est comporte ça moi ça me gagne, pas de problème avec Pierre Espérance, Pierre Espérance, pas problème avec m'a dit Pierre, bah la Pierre. Oui. Bah la Pierre. Ou pas la belle. Oui, mais je balade tout le monde dans le pays. Je me dis bien, qui t'aime faire travail, moi? Sous-gagné, ma prise, tout effort pour me faire, pour appliquer la loi. Mais quitter la police à faire travail, parce que urgence qui gagne dans la rue, je ne vais pas faire exaction, mais ma m'a mère, ça m'a pour faire travail. Attends, je vais poser une question. L'arrivée là, il y a plus de matériel, il y a plus d'âmes, il y a plus d'argent. Et au pas qu'à dire le contraire. Parce que si vous n'avez pas plus d'âme, vous n'avez pas plus d'argent, vous n'avez pas plus de moyens dans la main. Et pour qui ça va pas, j'aime dire que ça vous fait. Et je ne pense pas que c'est ou même qui est différent. Parce que l'autre n'est qui fait ça. Je ne pas comprendre qu'on n'a pas expliqué le pays. Pour qui ça, l'autre venir, parce que je ne sais pas qui arrive. Vous avez, sans vouloir le faire, ou trahi le directeur général. Ou bien un coup terrible. C'est pour me dire que moi, on gagne un coup de qui fait, ou pas de faire ça, on va faire là. C'est la question, c'est une question fondamentale. Parce qu'en fait, je t'ai parlé de la politisation de la police nationale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, une fois arrivé, ou déjà dans 6, 7, 8 opérations, des gens qui ont eu 2 ans et demi, 6 mois, 7 mois, 8 mois, on fait un seul à plein, pas de matériel, pas de moyens, pas de. Qui s'est passé, monsieur le commandant en chef? Je parle. Parler de l'autre collègue, le directeur général, inspecteur général qui est passé avant. D'ailleurs, je vais faire un rencontre avec tout qui est disponible. Mm-hmm. Oui. Il compte Marion Dessol. Marion Dessol, avant de faire la forme, elle est tout le monde. Je me dis, monsieur, c'est moi commandant chef là, vous venez, viens mon bacon. Gédéon, tout le monde, les inspecteurs généraux. Uh-huh. D'ailleurs, vous avez un message là, correspondant à Valvini. Combien de secteurs généraux là? Actif, uh-huh. Plus d'une quarantaine. La loi dit, c'est 7 ou 9. On va quitter mon premier question. Ah ok, la plus. Donc, pour moi, ça, il y a moins de moyens. Alors, pardon, budget, je vais acheter plus de moyens, je vais acheter plus. Mais pour qu'on y ait moins d'âmes. Il y a moins d'âmes. Il y a moins de machines. Il y a moins de matériel. Ça passe. Il y a plus de volonté. Merci. Écoute, par tempérament, moi-même et Jean, j'en ai, bon, je me dis là, sans grand velours, j'en ai qui sont nos familles, je suis beaucoup zèle, beaucoup chaud, 5e section rurale de Saint-Marc. Je fais chemin, moi, destin en fait pas pour moi, les frères de l'instruction chrétienne à Saint-Marc, c'est Luc Gonzague et Cite. Bousse à l'école navale de la Colombie, officier naval. Bon, petit jolé ça. Oui, oui. Officier naval, me rentrer dans la marine, fait quelques années dans la marine, me rentrer changement en 94 comme commissaire de police, passer un examen, bien commissaire de police, responsable garde côte pendant 10 ans, formation à l'extérieur. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés, ma chambre. Je là, tout. Je regarde quand tu as monsieur Monto Wagnac. Bon, Wagnac, ça, Wagnac fait à parler pour lui. Nous sommes privilégiés. Je dis pour qui ça, c'est Léon Charles. Bon, je dis, l'État a bon en pile. 54 ans, ça me cabale la mobile. Donc, ma chambre plein pour moyen, ma chercher moyen. Mais ça me gagne, ma travail avec. Nos situations directeur général de la police, dans le moment ça, une opportunité pour moi, rebâtir la population espoir. Parce que nous avons besoin d'espoir. Nous ne pouvons pas quitter le bandit pour l'intérêt. Je me dis non, nous ne pouvons pas quitter le fait. Et puis, mobiliser les gens, je me dis, monsieur, comment ça va passer? Je ne vais pas dormir, je ne vais pas dimanche, je ne vais pas fête. D'ailleurs, toute opération que je fais, c'est le week-end surtout. Je me rappelle, je me dis, monsieur, j'ai urgence, vous êtes des privilégiés. Nous avons 25 ans de travail, l'État paye nous mettons une uniforme, nous belles chefs, nous avons joué de. On a le résultat. Volonté.
volonté, persévérance et puis continuité. Donc, c'est même policier. Même policier. Même policier. Son l'autre approche, sans pas remettre en question. Oui, pas de problème. Son l'autre approche, son l'autre contexte, côté de Gaye, dans les mesures. Haïti, 217 ans d'indépendance. Des 55 chefs d'État, qu'on Gaye, toujours avait dit ça, 35 là-dedans tombés par coup d'État, soulèvement populaire. Nous venons développer une culture d'insécurité. Dehors, on fait 15 ans, dehors, on m'a gardé en tant que diplomate. Qui est fort pour faire pour défendre Haïti? Haïti en contemplant de terre, cyclone, pauvreté, famine, insécurité. Tout problème yo, que nous avons résolu, Haïti, c'est augmenter, n'a pas augmenté. Donc, il faut gagner. Il n'y a pas besoin d'un pile effort. Il n'y a pas besoin d'un pile effort pour me faire ça en faire. Il faut seulement dormir moins, réfléchir sur le problème nous, et puis mobiliser son guerre. Un homme, trilogie, un homme, une mission, des moyens, nous avons les hommes, nous avons des missions, moyens toujours manqués. Donc c'est effort pour nous faire, pour les gens qui ont des missions, comprendre que folle font effort. En plus, parce que Timari a besoin de lever à 4h du matin pour l'Alban Chabon. Homme d'affaires a besoin de descendre pour la louer business. Moun yo besoin à l'école, tout autant pas d'activité, pas qu'à gagner et brassage dans l'économie, hein. Pas qu'à cop cap circuler, pays a souffert plus. L'instabilité a prolongé le pays, hein. Léon Charles, en tant que commandant chef, pendant le titre que je fais, je comprends que la question de sécurité est importante. Je fais ça capable avec moi, je demande moi, parce que, vous voyez, tout autant, vous sentez, félicitations les gens, je dis, qu'est-ce que ça me fait pas faire, là. Mais, ça me fait après mobiliser le gouvernement pour bon, plus de résultats, car exiger plus de résultats, plus de moyens, pardon. Donc, c'est une question d'attention, c'est une question d'approche, c'est une question de disposition. Moi, d'ailleurs, je m'en vais là. Je m'en vais là pour m'accepter l'échec. Non, monsieur. Je fais ça pour me faire, ça que par contre, fait, je fais l'impossible, Jean, notre premier ministre a l'habitude de le dire, à l'impossible. Nous sommes tenus. Nous sommes tenus. Bon, bon, pose une question, ça. Parce Charles de Gaulle. Pardon, sous ligne. Nous saluons Gary. Oui. Votre parole là. Tant à Gary. Parce que nous avons quelques questions éclairées. Oui. Ah, commandant chef, bon, pose une question, ça. Et vous avez parlé de volonté. Et volonté a vraiment les bagages ou pas de résultat. Pas de résultat. Pas de résultat. Mais volonté, ça, on pose une question. Il faut voir ce que tout bon. Est-ce que il va pas mettre de l'eau dans le moulin ou puis devant, puisque ou à peine opération qu'on a, organise droits humains, il n'y a pas le faire rapport. Ça veut dire que non mois et demi encore, il y a des rapports qui pourraient sortir. Il y a des informations, tu as parlé de yo, Gary, tu as parlé de yo. Que ou même estimer et me comprendre nous dans cadre communication à transmettre message donc faut transmettre des messages qui positifs gain information qu'on pas décidé bailler sous opération yo que on pral mettre dans des rapports des organismes de droits humains et c'est ça qui est arrivé en 2018 là au terme d'une opération et dans Grand Ravine donc seul jour à l'époque des DDO donc monsieur tapmen une opération yo était sous commandement Gédéon donc yo tapmen le souci pour yo porter la paix pour yo plus ou moins faire sécurité dans pays mais les rapports droits humains au sorti c'est comme si c'est de l'eau vidée dans moulin monsieur Damio donc qui j'en va préparer ou parce que ça a privé parce que au grand pile volonté vous comprenez on va faire des opérations aujourd'hui vous comprenez mais comprendre tout que non mois et demi dans deux mois a bien des rapports qui sorti et en pile bagaille que peut-être nous pas dit dans cadre opération yo yo pral sorti dans des rapports que organise droits humains yo pral sorti et sur qu'on poids rapport organise ça yo très bien rapport tout rapport qui sorti faut le dire vérité faut le dire vérité fait opération respecter toute norme yo donc il y a un problème qu'on identifier dans le secteur droits humains, hein, du côté du gouvernement, on approche pour gagner tout incident passé, il faut qu'on fasse enquête. C'est enquête là pour aller dire
sous pas faire enquête là ou quitter c'est l'autre secteur qui fait le zakounier il prend une initiative le plus facile pour dire vérité pour aller à l'offensive qu'on va gourmer pour faire défensive. Donc faut gouverner moi-même opération mener une brème information notre même pas fait qu'une exaction. Donc rapport doit je me suis dit vérité ou pas qu'à inventer. Si on dit des bagages qui pas correct, m'a dénoncé, m'a bail information là. Et au filière internationale tout même. Donc c'est pas que pendant me dit m'pas les bagages information, c'est bail drôle comme m'a caché non, information nous claire. Alors opération mieux bien planifié. Je prêt à me faire me respecter condition. Si il y a un problème, m'a posé, m'a dit vérité à on l'autre organisation pas va menti parce que c'est moi qui fais opération. Donc quel que soit le contexte qui s'allie, moi-même, je fais opération pour la sécurité pour mon cavaquer à coopération pour moi, pour faire l'année. Mais moi, janvier, libéral, bon, l'autre contexte que je m'ai adapté ma belle. Ou le contexte côté mandat ou pas. Donc, voilà, bon, l'autre motivation. Mais ou au moins, c'est protéger mon groupe qui comprend. Faire travail, faire mission pour la police à nous-mêmes, mais le rapport qui est là, nous-mêmes, nous avec quel rapport organisation qui est là pour dire que nous faisons ça? Je défends, je suis sûr que je me je donne, côté où il y a un tout, je parle de nous, je défends. Donc, son bataille que est faut défendre la police, parce que le tout rapport, c'est menti, ou bien pas correct, il y a une démobilisation institution. Et il y a moins d'opérations, donc moins de résultats. Donc, quel moi-même, je ne suis pas peur ça. Je ne suis pas peur ça parce que je ne suis pas faire rien. Je dois défendre la population. Des fois, il faut utiliser les moyens qu'il faut pour utiliser le monopole, ça, le monopole de la violence légitime qu'on gagne, sans pas faire exercer qu'on fait travers. Et la communauté internationale a compris ça. Parce que, comme on a fait, on a aidé Haïti, en pile qu'on va prêter en Haïti, et puis, Haïti va quelqu'un de lui. Premier bon, on parle en gouvernement, on gouvernement, c'est bas sécurité. Si on parle de bas sécurité, on a un problème, et puis vous créez tout problème social, vous impliquez sur la question de sécurité, vous nous c'est dans ce job moins. La police, c'est la deuxième, première force qui existe, qui est sur le territoire. Là. La police a supposé faire ça, le fait pour bas sécurité. Et bien, il n'y a pas de quel bas politique là-dedans. Donc, qu'est-ce que je dois dire, monsieur, fait travail. Moi-même, en fait, vraiment, je ne peux pas accuser le téléphone. Et je ne peux pas parler. Peu, pas peu. Si on va faire Léon Charles coupable, Léon Charles paye les conséquences. Même pas supposé, prendre ça pour ne pas faire l'opération. Parce que la population actuellement paye après. Parce que la police, c'est le bras armé de la justice. Premier monde qui a sauté dans la nuit. Premier monde qui a pris le bras armé, il a tiré sur eux. Je suis blessé. Badil, même si je dis, Léon Charles, commandant chef, depuis le policier blessé, tout griffé dehors. Parce que, il faut que le policier en cadre pour le faire avant de l'accompagnement. Il n'est pas supposé victime. Et s'il est victime, il est supposé prendre en tant que force. Parce que vous gagnez double obligation pour protéger, c'est vous pour faire sacrifice. Question de résumer, il a fait travail. Les droits humains et la violation des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, c'est deux piliers qu'on y a, quel que soit le pays, faut qu'on ne puisse pas respecter, ils sont capables d'ennuyer, ils sont capables même de déstabiliser. Parce que moi-même, en tant que chef de police, en tant que commandant-chef, je viens d'appliquer la loi. Je viens de protéger la population. Je viens de faire plus, c'est faux. Je viens casser la perception d'insécurité pour me dire non, avec le commandant chef, ça, ou gagner moins de possibilités pour me sortir, moins de possibilités pour baisser la sécurité pour le gouvernement lui-même qui a fait ça pour faire et organiser l'élection, le pour organiser. Non, au contraire, non. C'est que Dimba Digari là, il y a au moins 10 questions éclairées. Question éclairée, ça veut dire que ça dépend du directeur général. S'il prend une seconde pour répondre, ça veut dire 20 minutes, la petite a fini. S'il prend plus de temps, ok, c'est lui-même. Et les policiers qui ont grade,
yo ba au grade mais on va toucher comme là qui soit fait pour ça faut me dire tout les policiers prennent grade yo pas prendre grade là bien donc il y a des grades ma première question la fond commission ça que bien ba yo n'a fait le passer parce que faut me voir formosa si me pas voir formosa finance pas mais grade qui était là avant qui était ba pour monsieur qui était ba avant yo il a pris disposition depuis qu'il y a comme le budget pour payer pour même si pour les jeunes gars là au moins faut jeune salaire là non et tout arrière salaire qui dégage mais garde qui était mal bail n'a pas répondu aux questions garde qui bien bail il y a besoin de ses finances pour moi pour payer. OK, avant j'ai oublié que c'était question. Non, pas vrai. Avant de dire que le général Lacalle qui défonce les nominations, est-ce que vous pensez que le nominations est valable? Qui l'a ou pas valable? Et qui soit fait pour ça? Il y a 9 inspecteurs généraux qui ont été nommés de façon irrégulière. Ils ont nommé la même date, le même jour que Arrêté M. Sien. Ils ont nommé sans consultation avec CSPN. Moi, il est commissaire divisionnaire. Il me dit, monsieur, mon problème à ça. Je vais mettre en question. Il y a près de 10 000 grades pendant 3-4 dernières années. 10 000? 10 000 grades, pas nécessairement 10 000 monde. Parce qu'il y a des monde qui sont plus jeunes. Donc, on a analysé, il fait un cadre mandat directeur général de parce que ça passait pyramide hiérarchie la police en tête de Barounia. Donc, il y a plus d'inspecteurs divisionnaires qu'inspecteurs principaux. Il y a un problème là pour me gérer. Pour qu'apparaître dans ce commissariat, où je ne peux s'inspecteurs divisionnaires que, divisionnaires, pardon, que inspecteurs principaux. Je ne parle pas des problèmes de la police là, c'est un problème pas pour mal résoudre. Mais grâce au débat et problème, et ça pour bailler, c'est dit qu'il y a un frappe sur moi-là, mais ça pour bailler, ça pour remettre en question, la première question. Très bien. Et quand on va arriver, le HT matériel pour la police, il y a des gens qui ont même déterminé, parce qu'il y a des forces politiques qui ont demandé qui ça a dû acheter pour la police. Est-ce qu'en ce sens, ou même vous pas bailler le temps pour même soumettre ça qui est important en fonction de l'opération? Je suis commandant chef. Un chef fait ce qu'il doit faire pour améliorer les conditions de travail de sa troupe. Budget, administration, c'est commandant-chef et son équipe. Donc nous identifions les problèmes, les réquisitions faites selon les normes et garder qualité produit, qui ça la police a besoin vraiment. Et puis l'inspection, le commandant-chef, sur demande de l'administrateur de la police, soumet les réquisitions. Deux matériels que la police a besoin pour faire travailler et après matériel qui est approprié, qui répond à. Qui a fait travailler la police pour le faire. Il a parlé de contrôle systématique de la communauté internationale sur la police, notamment les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada qui a aidé. Est-ce que c'est son rapport de soumission lié ou bien un rapport, n'est-ce pas, d'échange correct? Rapport d'échange, rapport de collaboration, donc on a implication, importance. Et nos partenaires de la communauté internationale, mon travail qu'a fait, généralement, pas tout moyen pour Kimbi la police. Son rapport d'accompagnement, de collaboration, il n'y a jamais de soumission sous commandement PAM parce que nous travaillons avec l'international là, il y a des domaines bien spécifiques qui ont aidé, mais le commandement, le contrôle reste dans mes chefs police. Gagné, membre secteur privé, en pile nan yo qui oblige en pile l'argent chaque mois à bandi yo pour bandi yo ka protéger business yo, mais certains d'entre eux seraient prêts à collaborer avec la police en termes de participation pour acheter matériel, pour bailler machine, pour bailler formation, pour bailler moto, etc. pour que la police soit capable plus efficace parce que tu as remé que ces policiers ou bailler sécurité. Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer moun sa yo pour capable aider la police? Très bien, nous connaissons l'importance rôle que société civile a joué dans l'accompagnement de la police. Nous avons pris une initiative pour inviter par secteur et la société civile, le secteur privé, pour voir dans la zone côté auquel il y a évolué, comment la police a accompagné. La police a manqué de moyens, donc la police a toujours besoin d'accompagnement de la population. Les gens qui ont plus de moyens, si on investit dans la police, la sécurité a coûté moins cher. Population a bénéficié de appui que la police. Donc, secteur privé, moi, je suis prêt à aller vers eux. Tout dit ça là, et nous allons faire par groupe pour nous capter plus de moyens pour la sécurité et
pratique ça qui était alimenté insécurité là. Et des fois lui même attiré et ne capte pas la police. Donc on fait ensemble, on nous fait ou à défendre l'intérêt particulier pendant que des institutions et défendre l'intérêt général. Dernièrement, Gomba qui passe en bas de Gabrit, côté BSAP, sur l'information, attaqué membre du SGPN, comme qui soit fait en tant que commandant en chef pour être capable de mettre cohésion entre deux unités SAO qui sont dans le pays. Là. Oui, je suis arrivé en 2004-2005, impact des militaires démobilisés. Nous sommes militaires. Et militaires son métier qui est noble. Donc, M. Bessapio, je ne sais pas ce qu'il a fait. Même dit, commandant chef la police, pas voulu des nègres qui dit il a fait protection environnementale, a fait checkpoint, a fait fouille. Il a décidé de passer mon la Gabriel pendant que la police a fait effort. Il a pas de sécurité pour que nous venions en vacances. Et puis, mon groupe qui fait, et puis, mon. Et mon jazz qui était dans le plateau central, il a dit tourner. Impossible. Il a cassé le projet que je gagne. Moi, je dis, je rencontre CSPN qui fait. Toute haute autorité a dit, pas supposé gagner l'autre force qui peut des armes sur le territoire, autre que la police et l'armée. BSAP, pas supposé dans le checkpoint, moi-même, m'a pas encouragé pour démobiliser les gens si ils continuent à avoir des problèmes. Donc, BSAP la connaît, il faut l'immobiliser, il faut poser. Poser net. Quitter la police à faire travail. Aller dans la forêt, aller faire travail pour la sécurité. Moi, pas voulu passer instruction déjà. Quel que soit qui est en au lieu, qui dit c'est BSAP, c'est protecteur de l'environnement que vous avez. Il n'y a pas supposé un checkpoint, il n'y a pas supposé écouter des âmes. La police a fait ça pour le faire. Et moi, j'ai un pile d'âmes pour capable faire opération, même sur une stratégie ou une intelligence avec Calanri que je profite et saluer. Même moi, j'ai un cortège qui a 10 néglades, chaque fois que ça a des âmes loups, il y a un problème des policiers en détachement. Comment est-ce que on va aborder la question? Policiers en détachement, premièrement, 6 décembre, nous faisons notre soutien. Pas supposé que policiers, alors bien entendu, policiers, unité spécialisée en détachement. Oui. Son problème lié, le complexe, même là, ces messages-là. Un policier a besoin d'un détachement, m'a retiré dans l'unité spécialisée, m'a affecté dans le TDG qui c'est Berger Bleu, ou pour aller. À la DEC là? À la DEC, oui, à la DEC, très populaire. Oui. Donc, on connaît son batalier, policier en détachement lié à avantage. Ah, avantage en pile, oui. Mais. Vous avez choisi pour être dans la police là, vous avez choisi pour riche. D'ailleurs, un policier sont sacrifiés, sous pourquoi nous sommes sacrifiés, quitter la police à soubise plus comme. Moi-même, en tant que directeur général, ça l'État a promis toi, et ça, ça ne peut pas être dans le budget, ça ne peut pas être dans le budget. Mais, question, posez-le déjà, nous prenons le tout de suite. Nous prenons le retirer des policiers, bien entendu, ou à le faire au fur et à mesure. Oui. Nous cibler. Graduellement. Nous ciblons les policiers qui sont en détachement avec un officiel qui n'est pas en fonction, vraiment, vous gagnez base. Policiers qui sont en détachement avec fonctionnaires qui sont en poste, n'a fait considération, mais il faut que les fonctionnaires connaissent. Il n'y a pas de sécurité. Mais on dit quoi pour la sécurité? Quittez la police là. Retourner dans la base pour me faire sécurité. Tout autant que plus de police qui est disponible, je fais plus d'opérations. Ce n'est pas opération seulement, je fais plus de visibilité. Depuis ma perception, question de perception, je fais plus de policiers dans la rue. Bon, dis un peu. Donc, chef, vous pouvez me permettre de faire. Mais les qui n'ont pas de officiel avec vous, monsieur, regagnez la base. Sinon, nous avons une petite question pour nous répondre dans la police administrative. Gary, vous avez une question importante. Alors, avant, dernière question, parce que ma question, vous le posez après, je vais poser une dernière question. Il va question à nous. Non, non. Et raison qu'il faut dire, tout en général, c'est parce que le pouvoir a besoin d'organiser l'élection. Ce n'est pas pour faire opération seulement. C'est pour crédibiliser la police là, pour qu'elle ait sécurité pour l'élection.
ou pensez ou ka atteindre l'objectif ça parce que si ou pas réussi pas gè président pas gè premier ministre pas gè personne dans pays et l'opposition lui-même pas ta remet ou sécuriser pays pour ou capable l'élection parce que quand même c'est depuis 7 février 2021 ou pas dans l'autre contexte arrivé 7 février 2022 ça veut dire ou non année électorale ou bon année de déchoucage gardez tête ou bien gardez pour ça pour le faire d'après une question puis bien le, après me faire passer politiquement mais en tant que directeur général Mabdou ak sa mgnye fòm bay sécurité pour fête de fin d'année fòm bay sécurité pour carnaval fòm bay sécurité pour toute activité qu'a fait dans pays si m pa gen moyen m'a dédoublé pour me faire mais quelle que soit activité qu'a fait là l'opposition pour activité fòm accompagner donc élection l'autre activité la police a supposé prêt avec les mêmes moyens, mais elle exige pour bon plus moyens, quel que soit le contexte, hein, c'est ça que fait. Je parti, quand je suis fou, je suis couru des bandits. Pourquoi ça? Parce que je voulais créer pour me casser l'ennegue pour le plus facile pour moi, pour le plus facile pour moi, pour mobiliser plus de policiers, pour la police a été plus confortable. Donc, la police en mode crescendo, n'a pas monté. N'a pas rassemblé moun, gen plus motivation, faut me jeune moyen pour me kembeli et quel que soit l'exercice tout autant que là moi-même. L'homme senti pas capable, m'a dit ah bah elle a dû et mal fait ça, on voit mal prendre son petit moun moi bah ça me prend retraite moi, m'a préparé pour prendre retraite moi. J'aime dire ti reste là, c'est pour la police là. Ti reste là c'est pour bailler sécurité avec moyen que me gagner. Ou tu pas dans politique, ti reste là sans politique. Non, c'est son slogan qui est à la mode donc on va le donner dans le carnaval, on va répéter. Bon, ok, même les fautes très prudents DG, puisque nous sommes un ancien DG, il a dit, monsieur, c'est un directeur rose. Bon, et il faut que vous fassiez Godson Norelis. Mais souvent, on dit le bataka différent, mais semblait le compte différent. Et c'est là que je pose la question. Non? Et sous Gédéon, il va aller puis à l'aise avec Séan. Ça a été mon bal, puis à l'aise à Séan que je venais. Et Rameau, je ne sais pas toi danser collé avec Jout. Comment bah t'as un problème. Et ça te vient par une sécurité. Bon, comme nous-mêmes, nous, on travaille. Qui j'en ou attend nous avec deux autorités ça? Donc, qui relation avec le président de la République là? Et qui relation avec Jout? Est-ce que tout va ok comme si les trois jets les mêmes qui dirigent le pays? Les différents. Enfin, par rapport à l'autre. Moi-même, je suis militaire de formation, policier de profession. Donc, la hiérarchie. Je suis élevé, non encore hiérarchisé. CSPN, dans la réunion, toute ma position d'instruction, m'a exécuté. J'ai des difficultés pour m'exécuter, m'expliquer, demander plus moyen. Donc, relation que bon, que pas bon, j'ai une grande ligne pour me guérir, c'est travail pour faire la police plus moyen, travail pour me faire mission que loi et constitution pour moi. Pas rentrer dans la subjectivité, nous toujours chercher très bonne Québec communication. Je pas faire opération moi-même, même si tout ça m'a dit là, je connais mon monde sous tête. Je connais le président, je connais le président, je connais le premier ministre, je connais le ministre de la justice, je connais le CSPN qui a un rapprochement avec lui. Donc, pas un problème. Si il y a un problème, il faut me résoudre. Parce que je suis là pour un résultat. Donc, je n'ai pas de problème à président ni à premier ministre. Il faut plus intelligent que ça. Toute intervention nous fait pour intégrer la police. Mais quand ça pourrait changer, quand on commence à arriver en février, quand on commence à faire pile manifestation, c'est sûr que les gens qui sont dans l'État, qui ont fait politique, ils vont l'exiger. Ils vont l'exiger, ce qui est le fort. Qui va le comporter? Qui va le comporter? Parce que ça vient. Dans moins de 2 mois. Kounye, moi c'est directeur général de la police, commandant chef. Dans 2 mois, m'a tout. Bon, si le président n'a pas décidé autrement, oui. M'a toujours commandant chef. Tout plan, c'est mon dirigeant. Instruction, c'est mon bailli. Je dis l'autre monsieur, c'est moi seulement pour faire politique là, dans le sens que, faire travail nous, m'a pas nous moyen.
Donc, quel que soit le contexte, ça m'a toujours été commandant-chef. Ou quand je donne une instruction, c'est où qui pour connaître comment pour exécuter. Ou exécuter dans le sens de la loi, dans le sens des règlements régissant de la police nationale. Quelle que soit la condition, m'a toujours été commandant-chef. Je n'ai jamais à l'aise dans une situation où je ne suis pas commandant-chef. Je vais faire l'autre barrière. Mais m'a toujours commandant-chef, tout autant que vous voulez me commandant-chef. Très bien. OK. Et il y en a qui va arriver là rapidement. Bon, allez, nous finissons. Est-ce que Diaz, vous mettez le carnaval? Est-ce que vous mettez préparé pour le carnaval? Red. Carnaval, je vais annoncer carnaval pour le PM, le carnaval pour le Prince. Dimanche, pré-carnavalesque. Depuis l'État a disposé de faire, la police là a mis les moyens, a inventé des moyens même pour le bicycle. Parce que le carnaval là, c'est une activité qui est importante pour le pays. Nous, c'est policiers, nous dansons le carnaval, nous avons la sécurité, nous dansons le carnaval. Donc, moi-même, en tant que citoyen, s'il tombait sous dôme, chef de police pour la sécurité, m'a fait, nous commençons déjà. Placer des mounes port de paix pour aller préparer ça. L'autre côté, la fête, nous là. Vous commencez à visiter? Vous commencez à visiter un débattement déjà? Beaucoup, très concentré sur Port-au-Prince, même à relâchement. Je vais commencer très bientôt. Mieux malin. N'est-ce qu'il a, n'est-ce qu'il a travaillé? Il y a ma machine. N'est-ce qu'il est responsable à son. Et où est-ce qu'il monsieur? Donc, de manière formelle, on a sollicité une attention spéciale au commandant Mibalea, policier, capteur radio. Mibalea. Et au Libye, il a dit que c'était au Libye. Il était boulé machine pendant le clan. Depuis lors, tu as des efforts que tu as fait, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Je sollicite directement un appui pour ces gens que moi, chaque jour, j'ai volé, puisque moi, j'habite à Mibalea. Message reçu, Gary, toute intervention ça vous fait, il va là pour un paquet de l'autre commissariat. Mm-hmm. Donc, c'est ça, nous fait l'un, fait griver. Garder, nous nommer l'autre directeur logistique, nous nommer l'autre chef garage pour nous identifier avec les moyens du bord. Et réparer machine qui a réparé, faire demande au gouvernement pour plus de machines, mais ce n'est pas plus machine qui est important. Je vais profiter de ça, je ne vais pas accuser frère policier. Mais une durée de vie aux machines à la police, ça, c'est 2 ans, 3 ans. Maximum. Ça veut dire mon problème de gestion. Ouais. Donc, il faut assurer que le policier qui a produit une machine a un permis de conduire. Faut assurer que le compte conduit tout. Que le compte conduit, pardon, des fois. Oui, donc les permis. Mais il faut assurer tout que le commandant policier, ou quitter le policier a conduit machine, il n'est pas supposé conduire. Il faut qu'il y ait une décision qui prend pour que la machine grasse, il faut le réparer. Il faut qu'il y ait une sanction qui prend. Il faut assurer que le service est fait et nos machines. Il faut assurer tout que la machine aurait été dans le commissariat. Oui, c'est ça. Que la machine aurait été dans le commissariat, son problème interne que lié. Oui. Les policiers comprennent ça. Nous, quand on a porté le bloc à la machine, on fait tout le bagaille. Pendant ce temps, on va gagner. Nous, ça. Nous, tout le monde, on va faire ça. Il y a un numéro, tout le bagaille. Bon. Mais on peut résoudre le problème, ça. Bon, il faut en adresser. Oui. Au moins, mettre des pistes de solutions, même si ce n'est pas ce commandement par nous. Il faut en adresser. Pendant que les policiers ne sont pas à la caillou, donc nous pas fini là, vraiment fini. Renouvellement permis d'armes, parce que quand pile monde qui est en difficulté, il y a des armes, il y a pas renouveler permis. Vous t'avez officiellement renouveler permis de façon à ce que vous puissiez défendre tête tout par rapport soit à tentative de kidnapping ou bien des monde qui a porté la caillou dans nuit. Pour d'armes, détention d'armes sont droits que constitution bail chaque citoyen. Donc nous commençons à recevoir demande, nous pas rien droit bloquer depuis yo, correct. Depuis tout document, depuis tout document au sommet, répondre à ça la police m'a dit. Nous commençons à signer quelques là-dedans, mais moi je commence à signer un top, moi le fonti camper. Mais nous ne sommes pas osés camper. Il faut que nous ayons le droit, s'il y a répondre à la condition pour les amener, la KLI, circuler. Bien que des fois en condition, nous sommes capables de mettre un petit camper là-dedans. Vous êtes le commandant en chef de la police nationale. Lors de l'émission de fin d'année, les gens attendent. Un mot spécial. Policier Aptan, population Aptan, tout le monde Aptan de haut. Dernière question. Scoop! Adressez-vous à la population. Au nom des policiers. Au nom des policiers de police nationale, hein, en tant que commandant-chef, moi je dis population, hein,
nous prêts avec moyen que nous pour nous présent dans la rue pour accompagner à n'importe qui le maman des policiers population attend ça dans nous service qui organisé au vin travail commandant yo je dis les commandants les commissaires c'est responsable nous ils font présent dans commissariat c'est nous pour venir avant c'est nous pour sortir en dernier signe pour nous sortir donc bon mot d'ordre que nous baille rassemblement esprit de sacrifice même si nous connaît chèque bonien baille déjà nous va faire effort pour chèque l'autre chèque régulier baille avant fête fin d'année nous va faire effort pour nous si nous capable arriver sous policier avec on frère direct c'est pas si quatre mais on l'autre frère direct que pour commandant chef l'arrivée sous chaque policier pour policier capable soupe à famille pour policier tout capable comprendre une fois de plus yo ces policiers yo t'ai prêté serment pour protéger servir il n'a dit population sous commandement pamnan ou au moins c'est mobiliser troupes pour faire travail ça nous baï un petit résultat nous bal baï plus pour que jour pour fête de fin d'année c'est pas absence de la police qui vous bail qui vous fait que au monde victime policiers comprennent ça et c'est ça n'a fait en tant que commandant chef diaspora qui là yo ça pour rentrer nous mettre rentrer l'on rentrer nous aider moun yo dans sa beauté le ça l'on rentrer nous vinn ressourcer nous dans pays la police a bonne garantie pour les présents pour l'accompagner nous pour l'accompagner toute activité donc joyeux Noël déjà n'a dit bonne fête de fin d'année à tout le monde. La police mouvement, prêt pour l'accompagner. Les policiers, les commandants en chef, nous avec nous. Commandement, exécuter instruction. Opération à continuer, vie pour vie normale là et qu'à continuer. Merci beaucoup, monsieur le directeur général.